Let's go, pal. Salut les viewers, c'est Marcus Bonus. Et bienvenue à la playroom sur l'épisode 2 Fallout 4. Donc, chers amis, certains d'entre vous m'ont dit que ma tenue actuelle était moche. Bon, c'est vrai qu'elle est pas mirobolante, elle est pas magnifique. Hein. Où est-ce qu'il est le soleil? Il est plutôt par là. Est-ce que mon personnage va bien se tourner? Voilà, elle est pas magnifique, je reconnais, mais je la trouvais assez survival. Bon, suite à ça, je me suis renseigné, je suis allé voir quelques petits trucs, j'avais trouvé des gants. Bon, je regarde les gants, je trouve que les gants sont intéressants. Et suite à ça, j'ai trouvé aussi donc plein d'autres petites choses, dont un mode qui me permettait en fait de crafter ces gants. Voici le mode en question. Pour que ça se fasse bien, je me suis dit, bon, je vais utiliser le mode en question pour pouvoir crafter donc des gants, des machins, des bidules, des trucs. Bref, des armures, en règle générale. Et donc, ensuite, bah, j'ai téléchargé ce mode, en fait, qui est pas si mal. Et donc, je le mets à votre jugement, je le soumets à votre jugement, chers amis. Est-ce que vous accepteriez que je l'utilise? Oui ou non? Le frigo, il est très très bien dans la cuisine, cependant, il me dérange. Donc, toujours pas de commande fixe hein, pour ce putain de mode. Ah, pour ce putain de housing, hein. C'est catastrophique. Alors, où est-ce que je pourrais le mettre? Sur le principe, j'aimerais le garder près de la maison. Alors, est-ce que je peux l'éloigner un petit peu, peut-être? Pas du tout, si je le place là. Rien à foutre. Hop, on sort. Ouais, il est un peu loin de la maison. Hop. Choisir. Encore un peu. Encore un peu. Voilà. Et donc, sur ce mode, en fait, je peux fabriquer, par exemple, tous les types d'armures que je veux. Par exemple, les trucs légers, les tenues complètes, les chapeaux, les masques, les trucs pour les yeux. Par exemple, je sais pas, je peux mettre... Tiens, est-ce que je peux pas les regarder? Les deux conduites, voilà, enfin, on pouvait les voir, là, hop. Et donc, on pourra se faire une armure, pourquoi pas une armure complète, qui serait pas trop mal, en fait, tout simplement. Donc, hop, les bandanas... Masque. Voilà, plein de choses. Plein de choses. Les chapeaux. Green hood. Oh, ça peut être intéressant. C'est la seule hood qu'il y ait. Oh, il est sympa celui-là. Vous savez quoi, on va prendre le green hood. Hop. En armure, qu'est-ce qu'on peut se faire? Un corset, non. Mécanique jumpsuit. Minute main outfit, on va pas le faire. Donc là, ça nécessite le rang armurier. Vous voyez, c'est pas complètement cheaté, entre guillemets. Hop. Clean black suit, non. Drifter outfit, ça peut être sympa ça. Explorer outfit. Fatigues. Lab coat. Leather coat. Leather coat a l'air sympa. Hein. Tiens, si on se faisait le leather coat. Hop, résistance dégâts. Attendez. C'est pas épique, la résistance des gars. Depuis notre conversation, je me sens en pleine forme. Celle-là m'avait intéressé, j'ai envie de faire celle-là. Hop. Un sanctuary. Non, on est en qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On a fait. Hop, est-ce qu'on peut se faire. Ouais, non, déjà on va s'arrêter là-dessus, on va voir ce que ça donne.
Allons en pleine lumière. Hop. Inventaire, tenue. Hop. Hop. Ah. Ah, à chaque fois, il n'y a pas de cheveux. Chaque fois, ça m'enlève mes cheveux, chers amis, c'est chiant. Mais là, il y a quand même un certain style. Hein. Là, il y a quand même un certain style. Ok, bon, on reste là. J'espère que ça vous plaît. Hein. J'espère que ça vous plaît. Maintenant, on va là. Alors, avant, j'avais ceci, qui ne m'apportait rien, si ce n'est un point de charisme. Ensuite, j'avais ceci, qui ne m'apportait rien, si ce n'est un point de résistance aux dégâts avec divers en accès. Greenhood. Hop. Alors, je peux pas lui rajouter le reste, tout simplement parce que, voilà. On peut mettre ça. Et du coup, le Drifter Outfit, on peut lui rajouter aussi de les poches. Ce qui me fait chier, c'est que ça me bouffe beaucoup d'adhésifs. Mais bon. Voilà. Donc pour ceux qui me voulaient plus stylé, j'espère que ça vous plaît. J'espère sincèrement que ça vous plaît. Hop. Ce qu'il faut savoir, et là je ne vais pas la placer je pense, c'est que je peux aussi fabriquer le même genre de truc comme ça, mais en mode arme. Ça me permet de penser à autre chose. En mode arme. Ce qui veut dire que je peux fabriquer à peu près toutes les armes du jeu, enfin toutes les armes normales du jeu. Pourquoi je dis normal? Parce que je veux bien préciser que les armes uniques ne sont pas craftables. Normalement. En tout cas, j'ai fait les options pour. Enfin, les armes extrêmement badass ne sont pas craftables. Ah, par contre, ça c'est nul ça. Qu'elle vole un petit peu au-dessus, c'est nul. On verra ça une autre fois. Donc voilà pour ce qui est de ce début d'épisode déjà, chers amis. Alors. Non, on coupe la lumière, c'est pas grave. On va aller regarder ce qu'on a comme mission à faire. Alors, attendez, ça c'est des lunettes de soleil normales. Ok, bizarre. Ah merde, je les ai jetées, non? Ouais. Alors, est-ce que je peux... faut que je les reprenne et que je les rééquipe? Ouais, exact. C'est pas grave. Bon, est-ce qu'on a des missions? Alors, qu'est-ce qu'on a comme mission à faire? Voilà, le scoop du siècle, bureau de Piper, place nette, la raison du plus fort, point de position, elle est du pendu, construire une balise, ouais, non. Retrouver Bobby à Diamond City, l'antre de la mémoire. Détective en péril. Détective en péril, tiens, on va aller voir le détective. Hop. Ça fait longtemps. Et je pense que si on finit la mission dans cet épisode-là, ensuite nous irons... Nous irons s'occuper d'une quête principale. Il est stylé ce truc-là, dis donc, ouais. Enfin, dans cette gueule-là, il est stylé, je trouve. Ça fait un petit côté shotgun laser. Je pense que c'en est un, d'ailleurs. Hein. Même si, techniquement, le pompe ne devrait servir à rien sur un laser, hein, vu qu'on est à... Templine Bluffs. Participer à la défense de la colonie. C'est censé être où, ça? Là. Hop, on y va. Apparemment, une attaque là-bas, donc on va aller la défendre. C'était... Je m'y attendais pas. C'était pas prévu. Mais bon. Alors, pour ceux qui veulent savoir, là, j'ai le volant sur le bide. Enfin, sur le poitrail. Putain, ça tiroille. Pierre légendaire, what? Aïe. Voilà. Fusil à double canon légendaire. Oh. Il est violent. Je commence à être chaud. Attendez, on va aller l'utiliser alors. Ça va faire mal. Ok, viens par là.
Boum. Tu l'as vu venir? Attends, je te traîne par la patte. Viens par là. Toi, je t'ai dépecé. Ton pote, il est où? Là. Ok. Bon, bon, on a un fusil qui est pas trop mal. Ça, c'est cool. Hop. On y... Ah, à chaque fois, je me trompe. On y retourne, chers amis. On y retourne. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, trouver la machine à bière. Exact. Non, on va aller chercher la machine à bière. C'est beaucoup plus intéressant. Lançant tout simplement des bombes atomiques. Ok. Ok, pardon. Pardon. Bon. Ça se passe pas trop mal. J'ai légèrement monté encore une fois le son du jeu, chers amis. J'espère qu'il vous plaît maintenant. Hein. Parce que je sais que j'ai beaucoup de problèmes. Oh, pardon, excusez-moi, je range mon arme. Hop. Donc techniquement, faut qu'on parte vers le sud, vers le sud, même pas. Plutôt vers l'est. Ok, il est le bidet. Ce n'est pas un mal, on sait pas trop ce que c'est. Mais c'est très très moche. Oh, ils ont refait la connerie des mêmes types de poils que sur Skyrim, qui étaient très très moches les poils de Skyrim. Hop, alors. Nous voilà là, on part. Ça tire de partout. J'entends quelque chose. Un bruit. C'est quoi ça? C'était sûrement rien. Y'a quelqu'un? Y'a personne. Qu'est-ce qu'il tire? Tu tires sur Canigou? Qui te permet de tirer sur Canigou? Et de 1. Cram. Hop. Et de 1. De 2, pardon. 3. Tiens, Canigou. Hop. Tu bouges trop. Je bouge trop. C'est toi qui bouges pas assez, hein. Putain, je l'ai pas vu. Tiens, bouffe. Où est ton pote? Voilà! Elle était verrouillée, ouais, forcément. J'aurais dû m'en douter. Hop! C'est bon. Allons voir. Ok. C'est dégueulasse. Ils bouffent leur chien maintenant. Couteau de combat. Est-ce qu'il y a de la céramique? Rien du tout. Céramique et scotch, chers amis, c'est tout ce dont on a besoin. Hein. C'est les choses les plus rares et les plus intéressantes. Enfin, rare, je sais pas pour la céramique, mais c'est intéressant d'en avoir. Hop. Pas de coffre, rien. On est dans un magasin, pourtant, merde. Nord-ouest, mais je vais pas dans la bonne direction. Censé aller par là-bas.
Ouais, on va prendre par là. Vendu. Tiens, bouffe. Ok, ils font très très mal ceux-là, hein. Je sais pas pourquoi. Mangeons un coup. Coca. On charge. Vraiment, on a des potes en bas. Un cabot. Ah, il s'est enfui. Bon, intouchable. Hop. Ça, c'est bon, ça. Hop. C'est bon aussi, ça. Hop, parfait. Rien dans la tuture. Hop. Tu me dérangeras pas. Ah, putain. Quoi ? Ça va être un bon combat. Mais j'ai déjà été là. C'est là qu'il y avait des zombies. Enfin, des super mutants. Putain, ça repop. Tu es d'une précision incroyable, mon pote. Oh, par contre, je t'ai pas loupé. Par contre, il m'a fait super mal. Le peu de fois qu'il touchait, en fait, il m'a fait extrêmement mal. C'est génial. Vente de rat de serre. Voilà. Non. Canigou. Il va se téléporter. Il est grande. On va toujours dans la... Alors est-ce qu'on garde toujours dans la bonne direction? Oui. On n'est pas sur le bon truc. Sauf si on passe par là. Hop. C'est pas là qu'il y avait des ennemis la dernière fois? Quoi? Qu'est-ce que je disais? Merde, je l'ai raté. Je te vois. Qu'est-ce qui s'est passé? Hop là. Attention, va y avoir du feu d'artifice. Salaud. Amène-toi. Ok, il reste le légendaire. J'ai plus de... Hop. Ok. Jambe droite, réflexe. Ah! Donc ça renvoie en fait 10% des dégâts de mêlée à l'attaquant. C'est moins cheaté que tous les dégâts en fait, je trouve. Ok, pourquoi pas. Et ton pote que j'ai tué juste avant, voilà, il est là. C'était celui-là, ok. Il y a un ascenseur. Intéressant. Avant d'aller dans l'ascenseur, on va quand même. Allez voir le reste. Parfait. Qu'est-ce que c'est? Ok, c'est trouvé. Où es-tu? Où es-tu? Il a trouvé quelque chose. Il avait trouvé quelque chose par là, mais on sait pas quoi. Ah si, c'était la tourelle, bizarrement. Ok, bon, on se téléporte, normalement. Oh, t'as une sale gueule. Canigou, t'as vraiment une sale gueule. Incroyable.
Alors. Hop, on recharge. Petite sauvegarde rapide. Voilà, ça voulait pas, on était donc en chargement. What? Ok, je le sens pas. Protectron, novice, flic, cool. Towns, c'était pas ça, bon. Celui-là, mot supprimé, d'accord. Non. Ok. Et c'est réinitialisé, d'accord, merci. Towns, il y en a un de bon. Roves. Prov, c'était merde, fais chier. Il y en a un de bon aussi. Mot supprimé. Lords. C'est pas Lords. Ouais. C'était long, d'accord, ok, parfait. Commande de protection, de protectron. Matrice de personnalité. Police. Activation. Hop. Protectron au rapport. Yo. What's up, bro? Wow. C'est bon, ça. Hop! Ouais. Alors, argent d'avant-guerre, briquet à essence plaqué en or, calibre 50, capsule 44, 45, cartouche plasma, revolver de fortune, je le laisse. Ah, il est encore un peu bleu. Hein. Terminal expert. Ah, vous voyez que je peux les faire les terminal experts. Enfin les terminaux, pardon. Recognize. Hop, ok. On peut avoir un petit coup de main. Hop, et c'est réinitialisé, c'est pas sympa. Recognize, on en a un. Ça peut pas être Guardians. Donc c'est pas le I. J'ai déjà fait celui-là peut-être, ouais, sûrement. C'est pas le I qui nous aidera. Ok. Et on n'aura pas plus d'aide que ça. Reprimand, c'est pas le R non plus, ni le E. Ressources. On l'aura pas. On l'aura pas sur ce premier essai. Ok, bon, deuxième. Murderous. Deux ressemblances. Et Serine CD, dommage. Ça peut pas être celui-là. Une ressemblance. Ok. Mot inconnu, enfin mot incorrect supprimé, pardon. Ok. Mot incorrect supprimé. Mince, erreur. Hop, mot incorrect supprimé. Mot incorrect supprimé. Ça en fait déjà quelques-uns en moins. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Mot incorrect supprimé.
Travelers, non, c'est pas celui-là. Customers, c'est pas celui-là. Un gros gros. On l'aura pas eu. Ok, canisters. Y a rien dedans. Parfois, c'est une chance. Et c'est réinitialisé. Merde. Ok. Hop. Mot incorrect supprimé. Mot incorrect supprimé. Je crois qu'on n'aura pas plus d'aide que ça. C'est pas dwindling, c'est pas canister. Ça peut pas être different. Ça peut pas être continued. Ça peut pas être traveling. Treatment. Ah, je tente ma chance. Verrouillage, merde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On devrait être bon. Monstrous. Ok, on en a un. Moins correct, supprimé. Moins correct, supprimé. Moins correct, supprimé. Ensuite, est-ce qu'on a autre chose qui pourrait nous aider? Non. Monstrous, il y en a un. Convince, il y en a plus, donc c'est pas le haut. Il n'y a pas de ED à la fin. Ce qui ne nous aide pas. Pas celui-là non plus. Ah, il est dur hein. Non seulement je suis pas doué, mais en plus c'est... Waouh, le gros zoom. Le gros zoom de la mort. Really. Non. Hop. Remarque, c'est peut-être un petit peu plus simple pour trouver les aides. Seulement il y en avait un peu plus. Hurriedly, il y en avait un. Dommage. Je l'aurais parié pourtant que c'était celui-là. Alors. Generally. Ah, il y en a trois. Alors. C'est pas le LLY. Déjà, c'est dommage. Hop. Hop.
Non plus. Ok. Je commence à en faire quelques-uns en moins là. Je suis con, c'est generate, non? Même pas. Ce serait aîné dedans. C'est pas aîné dedans. Et c'est réinitialisé, donc c'est pas celui-là. C'est pas celui-là. Et voilà. Et voilà, on l'a eu. Putain, tant bien que mal. Commande à distance de la porte. Déverrouiller la porte. Merci. Bah alors ? Hop, merci. Bébé ? Ne restez pas là. Ouh ! Bonjour. Ouh ! La banque ! On est à la banque ! Déverrouiller coffre-fort expert. Oh oh. Really? Aïe. Did I do that? Hop là! Ça y est. Oui, je prends. 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 Non, je prends pas. Avancez. Aïe. Dommage. Hop. Voilà. Génial. Je te le fais pas dire. Ok. Oh, les gros verrous de la mort. Faudra une porte comme ça, moi, plus tard. Une montre en... Ah, merde, j'ai pris le dossier. Fais chier. Et là-dedans, argent d'avant-guerre, 23. Ok, c'était cool, ça. Et le flic, il me voit dévaliser la banque, mais il me dit rien. Attention, interférer avec la tâche d'un robot représentant de l'ordre est un crime. Porte, déverrouillée, avancée. Oh. Heureusement qu'on est un crocheur de première. Hein. Surtout un voleur de première. Oh. Et B, il s'est passé quoi là-dedans? C'est d'une violence. Je comprends pas pourquoi tout ça en fait. T'as plein de sang sur la gueule, mon pauvre. C'est d'une violence aussi, ça. Ok. Qu'est-ce qu'il y a en bas? Ah, il y a vraiment un. Il y avait un escalier en fait. Cool. Quartier des affaires. Allons-y. Hop! Allez! Pas plus vite! Il y a un gros manque d'action là. Quoique, il y a eu quelques combats avant avec des légendaires et tout, donc. C'est pas trop mal. Alors. Première en partant au sud. Ok, c'est par là. C'est par là, mais par là, c'est un cul-de-sac. Ok, et il se met à faire nuit, c'est génial. Comme ça on va bien stresser. S'il y a une mine là-dedans, je suis dans la merde. Par contre je crois plutôt qu'il y a des tirs par là. Une tourelle ennemie. On va pas y aller de suite.
pillards, ok. Elles ont déjà fait quelques kills, c'est intéressant. Ça fait une grosse erreur, mon pote. Hop. Elles ont même déjà fait des kills avec, contre des robots. C'est d'autant plus intriguant. Ok. Bah progressons. Madame Donog. Ok, Madame Donog, c'est bien ça, hein. Hop là. Qui est cette Madame Donog? Y a plus rien. Aucune idée. Je ne sais pas du tout qui est cette Madame Donog. Bah, Monsieur Donog. Ok. Bizarre. Extrêmement bizarre. Ça me fait mal. Non. Ok, on va sortir les grenades parce que j'en ai plus du tout, ça me saoule. On n'est plus que 3, putain ça fait mal. 3. Ok. Parfait. Parfait. On va se piquer un coup. Et de une. Lui il est là. Raté. Ok, je l'ai eu. Là j'ai vu un truc à bouger tout à l'heure. Putain, les munitions de snipe, j'en ai un paquet. Hein. Oui, j'ai bien compris que c'est à cause des radiations de. Postal Square, si tu le dis. Ok. C'est très sympa comme endroit quand même. L'ambiance est géniale. Il fait nuit de chez nuit par contre. Et en soi ça ne me dérange pas. Putain, mais qu'ils ont fait de leur cadavre à eux? Ils sont tombés. D'accord. Ils ont dû être baladés par les explosions en fait. Ok, on progresse. On se dirige toujours vers le lieu de notre mission. Qu'est-ce que... Je te tiens. Ça devrait pas être long. Ah, tu me fais pas peur. Qu'est-ce que t'avais sur toi? Un des monte-neux, oui, mais mis à part ça. Hop. Bien, Canigou. Le Shamrock. Ok. Oh, une grenade, merci. Hop, on fera peut-être autre chose sur vous. Oui, j'ai vu que j'avais des planches. Hop, voilà. Déjà, les planches en moins, je gagne du poids.
Ok, on y est. On y est. Bon bah écoutez les amis, on va se laisser là pour cet épisode. Merci de l'avoir regardé, n'hésitez pas à le pouce vériser, le commenter, le partager, vous abonner. Rejoindre le groupe Steam Joueurs de la Playroom dont vous pouvez retrouver le lien dans la barre de la chaîne, je vais y arriver. Encore une fois, merci à vous pour votre fidélité. Merci à gamesplanet.com dont vous pouvez retrouver l'adresse et le lien, donc le lien directement dans mon descriptif d'épisode et dans la bannière. Donc ils m'ont offert Fallout 4 mais aussi Mad Max et Star Wars Battlefront. Encore une fois, merci à eux et merci à vous encore une fois. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens et yop.